D'abord les revenants, ensuite le futur, maintenant les éléments. Tout se déchaîne contre les survivants. J'avoue, c'est un peu extrême. Mais je ne vois aucune raison de prendre en pitié les joueurs. S'ils s'en sortent, ils ne le doivent qu'à eux. Et à l'inverse, s'ils échouent, ce sera par excès de zèle. On ne défie pas l'apocalypse. Messieurs, est-ce qu'on peut le dire? C'est pas votre jour de chance. On est baisés. Alors, c'est des joueurs comme ça et il faut rester dans le lit, je pense. Des zombies, des malades, on est attaqué par des mecs avec qui ont mis des haut-parleurs techno sur des zombies et un tremblement de terre. Donc, effectivement, voilà. qui est en train de causer un raz-de-marée. Alors, la chose positive, parce que bon, on en parle des choses négatives et je vous trouve un poil négatif. Mais parlons-en des choses positives, parce qu'il faut savoir qu'il s'agit tout simplement de la communauté des survivants qui ont décidé en quelque sorte de l'orientation de ce contexte. Et ils ont aussi décidé de vous octroyer un bonus dans vos tests de survie. Et ça, c'est positif, les gars. Là-dessus, c'est la générosité. Ça, c'est très cool. Il y a pas un pattern aussi. On est dans une forêt. Tu vas inonder la forêt. Oui. Ça fait deux fois. J'ai envie de dire. Voilà, on est le seul groupe de JDR. On est le seul groupe de JDR de l'humanité. Je pense qu'il y a un fil conducteur. On est le seul groupe de JDR de l'humanité qui risque de se faire noyer en forêt deux fois quand même. Est-ce qu'il va falloir sauver un petit chat? Un petit chat, oui. Ah, il y a eu le cheval. Un zombie sur une planche. Sur le glombi. C'est le petit chat qui parle dans le mégaphone, d'accord. Oui, c'est Kite Seat. Il y a un chat qui parle dans le mégaphone. Rendez-vous. C'était Humongous, tu vois. Du coup, sur cette note de bonne humeur, je pense qu'on peut y aller. Il y a donc un tremblement de terre qui a fait fissurer la roche contre laquelle est accolée la ferme. Il y a des zombies à l'extérieur, il y a le futur qui vous guette. Il y a des nouveaux survivants, dont certains qui sont probablement infectés par quelque chose assez inattendu. Donc ils parlent de seringues hypodermiques. Et donc vous êtes au milieu, complètement éparse, avec une organisation qui tient plus à grand chose. Et qu'est-ce que vous faites? Pour commencer, est-ce que les deux que Lynn a menacés vont dans le bâtiment? Je vais me reposer sur la réussite critique de Roger pour mettre sa menace. Après, attends. Là, entre-temps, il y a eu le tremblement de terre et de l'eau qui s'écoule de derrière. Je pense qu'ils vont pas vraiment s'enfermer dans le bâtiment. Ils ont la grippe. Pense, ouais. Mais le sol a tremblé, quoi. Putain. Non, mais je pense que Roger, personnellement, il prend son travail de border patrol, c'est-à-dire de garde, de la frontière, très sérieusement, ouais. Et qu'il est là comme un perso de Star Wars. Move along. Ah bah j'ai un tampon, tu sais pas où c'est que je l'ai trouvé, je valide les papiers comme ça, pouf, c'est bon. Bienvenue aux États-Unis. Messieurs, vous avez les PNJ autour de vous, les personnages qui sont autour de vous, qui commencent à avoir leur panique monter. Vous voyez sur leur visage cette panique qui s'installe, cette terreur, et ils remarquent immédiatement, leur regard se braque sur les armes qui ont été prises par certains d'entre vous. Qui a leurs armes? C'est moi, j'ai fait un petit... Ouais, fait un petit tag. Tu te sens cerné d'un seul coup, t'as ton arme à feu, tu les braques, mais tu vois que certains d'entre eux commencent à s'approcher vers toi, certains avec le regard endurci par cette nouvelle menace qui se dessine contre la paroi, la paroi qui est ici. Voilà, c'est ça, un deuxième jet d'eau, un troisième, un... Exactement, il y a de l'eau qui coule à l'intérieur. Je vais dire, calmez-vous, tout va bien se passer. Nous sommes en sécurité dans ce camp. Et puis Lynn aussi, ils n'étaient pas mis en jeu juste par Roger. Il y a Lynn aussi qui a des armes. Tout à fait. Moi je mettais en jeu les deux glandus qui étaient censés aller dans ceux qui ont des armes. Un peu tous dans et je fronce un peu. Messieurs, les sourcils. Descendez 2 degrés. Prenez un instant pour dessiner l'arc de menace que vous représentez avec vos armes. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont des armes à feu qui peuvent représenter une menace évidente pour les nouveaux survivants. Les autres,
Ils n'ont éventuellement que des armes blanches, comme les nouveaux survivants. Il y a un qui a une batte, il y en a un autre qui a un couteau, et ils ne se sentent pas vraiment en sécurité désormais, d'autant plus qu'ils sont menacés par des armes à feu. Donc, Lynn, je peux tenter éventuellement un speech ou un jet de commandement, vu que c'est ce que j'ai fait la dernière fois et je l'ai hurlé avant de faire. C'est ce qu'il faut faire, il faut s'organiser. Voilà, simplement en disant « Roger, baisse ton arme, laisse tomber, ça servira à rien de tous s'entretuer ici et maintenant pour qu'on finisse tous morts. Rendez-nous nos armes tout de suite. » Je sais, mais qui me regarde pas comme ça. Baisse les yeux, tu te calmes. Non, mais je vais la regarder. C'est notre camp, tu es chez nous, d'accord. Rends-leur leurs armes et vous en échange, venez. Rends-leur leurs armes et vous en échange, venez avec nous, on va tenter de repousser le futur. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Il y a de la flotte là, j'entends. Qu'est-ce que... Tu es pas halluciné, non? C'est le whisky ou c'est le sol à trembler? Tu continues de braquer ton arme à feu, Roger? Oui, toujours. Ah ouais, ok. Ouais. Celui qui est ici, je vais faire un test de stress pour savoir s'il prend son courage à deux mains pour se jeter sur toi. Oh, la fusillade! Ouh. Il fait un 96, ah, échec critique. Mexican standoff. Donc, qui tourne mal. Ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que non seulement il prend pas son courage à deux mains, mais il devient complètement hystérique. Il se jette sur toi comme un mort-vivant, sauf qu'il ne l'est pas, et qu'il n'a plus le contrôle de ses émotions. Il veut récupérer ses armes à feu, Roger. Et il bondit vers toi. Je vais pas lui faire un test d'esquive si tu décides de répliquer avec ton âme à feu. Il bondit vers toi comme une brique dans un champ de coton. Alors. Non, moi je vais lui mettre un coup de crosse dans la gueule. Je vais pas gaspiller des balles comme ça. Et je vais pas tuer quelqu'un non plus gratuitement. Oh. Oui, bah, c'est le moment dans le film où tout le monde fait. Oh. De plus, je rappelle que comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils nous ont donné leurs armes à feu, mais pas leurs munitions. Ce qui fait que même s'ils les récupèrent, le temps qu'ils s'en servent, on aura déjà l'avantage. Ça dépend, il ressemble à quoi le gars qui se jette sur Roger, parce que ça peut influencer. C'est quelqu'un avec une blouse blanche, on dirait un ancien médecin ou quelque chose comme ça. Alors, par contre, c'est un fragile, vas-y, déglingue-le. Par contre, le deuxième essaie de bondir sur toi, et lui... Ah, 68, il ne réussit pas son test de stress, donc il hésite, il te voit donner un coup de crosse sur la tête du premier assaillant, et bien du coup, il ne bondit pas, lui. Lynn, tire en l'air. Et je suis pas stressé, moi, j'ai mon critique, donc là, c'est experience. Alors, strength. Alors, ton critique, il va pas durer tout l'épisode, éternellement. Il va se calmer, ton critique. Donc du coup, il est opérationnel là maintenant, mais pas pour le reste. Par contre, néanmoins et toutefois, Lynn, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as pas dessiné ton arc de menace avec ton âme à feu. Non, par contre, j'ai dit ce que je faisais, les ordres que je donnais, j'ai pas lancé de jet social malgré le fait que je sois le plus commandant ou celui avec le plus d'autorité. Tu vas me faire un test. C'est vrai qu'il a parlé à voix haute et personne n'a écouté. Enfin, il y a que les deux. Tu vas me faire un donc, test. Et si jamais il m'écoute pas, je vais répéter la même chose que j'ai dit, mais en tirant une balle en l'air. Alors, pour cette balle tirée en l'air, tu vas m'octroyer un bonus de 10% à ton test d'intelligence. Merci, donc je vais le faire. Blam ! Déjà, histoire de prendre leur attention 5 secondes. Il y en a un qui est au sol et qui est déglingué. Je fais le test. Slash et indécent. 83. Ah, cependant, je peux relancer un jet social loupé. Et c'est basé sur mon intelligence. Très bien. C'est mon skill. 10% de bonus est effectif toujours. Très bien, ça fait plaisir. Deuxième essai à 83. Et là, c'est un 4. Oh, donc on est à moins 6. 4. On peut dire, Maya, en fait, scénaristiquement parlant, j'ai fait mon speech, personne m'a écouté, j'ai tiré la balle, là on m'écoute. Lynn, tu as imposé désormais ce calme relatif. Autour, il n'y a que votre groupe qui commence à reprendre les rênes. Les survivants qui sont désormais dans la ferme, les nouveaux survivants, entre guillemets, eux ne savent pas trop comment agir et ce que tu vas livrer comme prochain mot va conditionner l'attitude. Je vais te donner néanmoins quelques informations supplémentaires avant que tu dises ce que tu as envie de dire. Il se trouve autour qu'il y a Wakanda qui montre la paroi de laquelle sort cette flotte qui investit la ferme. John, de son côté, est en train de voir le bus. La perspective de prendre le bus et de quitter les lieux avec ce bus n'est peut-être pas la bonne, mais c'en est une, sachant que le bus est éventré dans un état plus que lamentable. Il y a également cette information-là, c'est-à-dire que récemment, donc vous avez analysé les environs, plusieurs d'entre vous ont remarqué qu'il y avait un immeuble, un bâtiment à l'extérieur, un manoir, c'est là où Andrew a perdu sa jambe, hein, je petit rappel. Il y avait une rivière aussi par le nord, mais également, et c'est de là où provient donc la flotte, sur le plateau supérieur, à peut-être un petit kilomètre de là,
il y a un lac. Un lac avec un port. Et vous avez cru remarquer peut-être quelques bâtiments, quelques navires par là. Vous n'avez pas eu l'occasion vraiment d'explorer les environs. Mais vous avez remarqué ce lac puisqu'il est juste difficile à éviter. Et enfin, nous avons Alex de son côté qui est en train de remarquer, est en train d'analyser les points de sortie et qui jette un regard à Janet pour savoir ce qu'elle en pense, étant donné qu'elle fonctionne souvent en binôme. Oui, justement, vu que ça fait, il s'est quand même passé un peu de temps depuis tout à l'heure, nous, on n'a pas rien fait pendant ce temps-là, dans le sens où on s'est pas mal entraîné avec Alex. C'est la seule personne avec qui je m'entends un peu, parce que son côté rebelle, parce qu'elle me fait penser un peu à moi, parce qu'elle est plutôt douée avec une arme blanche. Et on s'est un peu entraîné pour ce genre de situation, dans le sens où on va essayer de fonctionner donc en binôme, savoir qu'on va dépendre des gens aussi qui ont des armes à feu, donc c'est eux qui vont plutôt nous protéger, et nous essayer d'avancer en fonction de ça, à couvert, en restant à couvert, et prendre les vagues soit de zombies soit d'humains qui arrivent. Et s'il y a besoin d'aller quelque part, on peut aussi toutes les deux aller courir dans l'endroit en question si besoin, quoi. Donc nous, on est prêt à ça, et elle est quasiment aussi méfiante que moi, et on reste méfiant, donc on se met à la fois en position de protection aussi par rapport à tous les gens qui viennent d'arriver. C'est pas parce qu'on leur a donné des armes, c'est pas parce qu'il y a eu discours de Lynn, okay, que la confiance, mettez-vous elle, là, elle est là. Toutes les deux. Donc Alex descend du Mirador, se met là, Janet aussi, reste en retrait et pour essayer d'avoir un point sur la situation. Suffisamment proche pour pouvoir agir vite, mais suffisamment éloigné pour ne pas être trop exposé. Lynn. C'est bon ? Parfait. Très bien. C'est extrêmement simple. Vous avez deux possibilités. Soit on travaille tous ensemble, soit on meurt tous ensemble. Je vous laisse faire votre choix. Personnellement, j'ai pas l'intention de crever ici. Je veux que toi, toi, toi et toi, vous repreniez vos armes et que vous m'accompagniez. J'ai sélectionné les trois qui avaient l'air, ou les quatre qui avaient l'air à peu près en état de se battre. Je veux que tous ceux qui ne soient pas en état de se battre aillent se replier dans la maison en pierre derrière nous. Je veux en revanche que John, tu ailles voir le bus et qu'ils soient en état et prêts à repartir si jamais on doit fuir cet endroit. Je veux qu'on repousse ces fils de pute du futur et je veux qu'on fasse ça tous ensemble. C'est compli ? Baisse ton arme, espèce de redneck. Roger ? J'avais essayé, ça va, on se calme. Ok. Alors c'est un flingue que t'as dans ton pantalon. Et donc ? Il se produit la chose suivante, les survivants qui sont là se regardent les uns les autres et ceux qui étaient dans l'étable se rejoignent au groupe. Et nous avons Marie. Qui vous a dit que vous pouviez sortir de l'étable ? Vous deux, vous y restez, tout de suite ! D'accord. Action les autres, je vous vois pas en train de prendre vos armes là, qu'est-ce que c'est que ça ? Lynn, je m'y mets, puis ils viennent. Autoritaire mon gars. Disons que ils sont plus tout à fait humains. Très bien, pam, pam, qu'est-ce boum. Que vous faites ? Allez, on tire dessus. Alors, oh, c'est le bordel, il faut se tirer, voilà. On a une énorme fuite, il faut faire sauter les rochers et noyer tout ce bordel. On pourra pas se battre, on n'a pas assez de ressources de vivres pour tenir un siège. Donc faisons péter tout ça, on John... met tout le monde sous la flotte et on se casse direction le lac. C'est et cool. Le redneck, il avait posé des charges de C4 sous le camp, il a fait ça depuis 3 mois en oui, fait. Oui, c'est vrai, tu le sors d'où les explosifs pour faire tout péter ? Je sais pas. C'est pour ça. Mais je vais trouver, il y a moyen de faire des... Alors, trucs. Si jamais ils s'attaquent aux survivants, les deux zombies qui viennent de sortir de la grange, en tant que flic, j'ai l'initiative sur les combats. Oui. Ça, c'est très bien. C'est très très bien, oui. Et en plus, je les ai remarqués parce que je les ai vus. Hey, qui t'a dit que tu pouvais sortir de la cuisine ? Non, moi, je vais rester à proximité de Lynn pour, parce que moi, je peux saucer aussi avec mon flingue. Et puis voilà, si je peux arroser okay. dans le tas. Qui agit par rapport à ces deux personnes qui sortent ça de la table ? Ça va être forcément Lynn en premier parce que c'est elle qui a l'initiative. Lynn, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. In extremis. Perception. Bien. 7. Tu nous fais des G2, quand même. Mais ce flic, mais Judge Dredd, quoi. Non, mais voilà, quoi. Donc je vais m'approcher d'eux, parce qu'il y a des gens devant, et derrière. Écartez-vous, derrière vous, des zombies. Il y en a un qui commence à se transformer également dans le groupe de survivants. Où ça, lequel ? Lequel ? Celui-là. Celui-là, très bien. Alors que cela. Il est pour moi celui-là, charge à une main comme ça. Non, Lynn a remarqué parce qu'elle a l'initiative. Il y en a les deux qui sont là qui se dirigent vers Wakanda. Tire les deux qui sont là et moi je vais. Moi et Roger, on va s'occuper de celui qui est là. C'est Lynn seulement qui a remarqué ça. Elle a un seul choix ça à faire, mais c'est pour ça. Et je vais dire attention, celle-ci se transforme, Wakanda, fais gaffe. Je la pointe. Et okay. Je fais écartez-vous. Fais-moi ton tir. Vas-y. Non, j'ai dit que je la pointais. J'attends peut-être une demi-seconde qu'il s'écarte, si oui ou non. Parce que les gens vont se rendre compte que c'est un zombie si jamais elle se met pas à terre, tu vois.
Eh bien, en effet, il s'écarte un demi-pas, à peine ce temps-là, pour laisser le temps à ce survivant d'émettre ses derniers spasmes pour se transformer. Non, c'est bon, je tire, on est bien là. Regardez autour de lui et foncez vers la première personne la plus proche, de préférence un PJ. Donc il cherche. Il y a des zombies tout autour qui bougent. Il faut s'en aller. Alors, la petite fille se met à hurler. J'ai fait mon tir. Fais-moi ton tir. Ah, 80. J'ai fait 80 et ma capacité de tir, c'est 80 piles. Touche alors. Ce perso craqué, il faut qu'il est plus fort que Douglas. Quoi. Ça passe. Tu touches et tu tues. Enfin, tu retues. Le zombie qui est ici, qui se fait achever par celui qui avait une batte ici à côté. Au même moment, la voix qui vient du haut-parleur redouble. Alors, toujours aucune perspective de survie? On est un petit peu occupé là. Revenez plus tard. On a des fuites. Vous n'auriez pas un plan B? Est-ce que suite à cette dernière action, Maillard, je peux regarder les trois autres que j'avais déjà alpagués auparavant et leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Reprenez vos armes !» Roger, il y en a un qui est dans les pommes. Ok, ça va, ok. Allez. Celui-là est dans les pommes. Je le ramasse et je le rejette. Wakanda à chaque tac, tac. Se retourne, attaque au corps à corps le premier zombie. Il fait un test ouvert sans problème, il le maîtrise. Wakanda, il sort le tomahawk avec une machette comme ça. Le deuxième. T'es un aigle qui descend et qui l'abatte le zombie. La petite fille, elle, recule. Nightwolf. Ça commence à vous échapper. La situation part dans tous les sens. Roger n'a pas tout à fait tort alors qu'il est en train de donner les armes qu'il avait réquisitionnées plus tôt. Il y a donc la perspective de se diriger vers le lac. Roger, tu organises ça comment? Lynn, les autres commencent à s'organiser. Il y a d'autres spasmes qui sont produits. Donc la personne qui est là, qui a également des spasmes, tu sais pas trop si c'est juste parce qu'il a la grippe ou alors simplement parce qu'il est vraiment contaminé. Ainsi que ce zombie qui approche. Tuez-les tous! Franchement, je suis désolé, mais je lui éclate la tête. Franchement, là, donnez-moi deux armes et on le fait à la faucheur. T'es... Ah, mais oui, clairement. Là, il n'y a plus le temps à la négociation, au social. Moi, je tire. Janet, tu vois toute cette situation. Tu es à l'abri avec Alex. Vous êtes en train de faire une bataille de Shifumi. Qu'est-ce que tu fais? Alors, vu que j'étais un peu à l'écart, j'aimerais bien agir sur le zombie qui arrive sur la petite fille avec Alex. Comme ça, on teste notre technique fabuleuse de je sais pas quoi. Et voir si on arrive à gérer le zombie pour sauver la petite fille. Ok, tu fais un test, mais c'est plus pour la forme. On va dire que tu ne loupes que seulement si tu fais un échec critique, s'il te plaît. Surprends-moi. Allons-y. Honnête. 77. Ça passe alors que le mort-vivant s'approche de cette femme qui semble être la mère de la petite fille. Elle protège. Et du coup, tu as Surine en arrivant par derrière et Alex finit par saisir donc la chute du mort-vivant qui est là. Il y a néanmoins... C'est là que tu surines la petite fille. Et voilà. Tu fais quoi? Au corps à corps, Roger, s'il te plaît, donne-moi un coup de crosse violent ou un coup de... Si tu as une arme blanche envers celui qui se transforme ici. Tu peux pas lui tirer dessus? Parce que moi, je voulais lui tirer au fusil dans la gueule. Ah, bah avec plaisir. Eh bien, vas-y. Il s'agit que là, je suis désolé. Donc voilà. Donc j'ai mon bonus, donc 75. C'est parti, un petit tir, ça passe, 68. Donc la tête explose littéralement. Et au même moment, tu vois qu'il y a une autre giclée d'eau sur la façade de... sur la face rocheuse. Et l'eau qui commence à investir de plus belle l'intérieur de la ferme. C'est bon, la journée de la gicle. Puisque je fais rien, je prends une éponge et je vais aller suivre. La fille c'est Cendrillon, c'est méchant. Mets ta main pour colmater, ça va peut-être régler. Vu qu'on est visiblement dans un dessin animé, je vais mettre mon doigt comme... Ouais, c'est ça. Et ça sort par ton oreille comme ça. Oh. Putain, c'est si la jambe d'Andro elle a pas encore fini de brûler. Situation, mais totalement extrême, qui ferait passer Fear Factor comme une colonie de vacances. Et les gars, faites quelque chose. Qu'est-ce que bah, y a pas qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah, je dis, Roger va réparer le bus et il faut qu'on foute le camp. John, j'avais pas hurlé ça à John de prendre le bus en main et faire en sorte qu'il soit prêt à démarrer. John te répond la chose suivante alors que il ne prête pas attention au passage de Janet et Alex parce qu'il leur fait totalement confiance. Il se trouve autour que il se retourne vers vous et vous dit
Je ne sais pas encore combien de temps il va rouler, ni sur quelle distance. Mais on peut y aller avec le bus, et on roulera autant qu'on le peut. Bah oui, bah c'est ce qu'on a de mieux à faire. Hein. Il faut choisir, les gars. C'est vraiment soit on escalade et on se barre par le lac, ou soit je vous propose quelque chose. On arrive à ce point-là précis de l'histoire, où peut-être pour la première fois, des fois, je vous conseille, je vous dis, cette voie-là est peut-être pas la meilleure. Plus safe. Là, vous avez deux choix. Vous avez, comme Roger l'indique, vers le lac, le port ou le bus. L'un des deux est probablement une voie sans issue. Faites le bon choix maintenant. Mais faut finir avec le bus qu'on a commencé. Bah oui, le bus il fait partie. Ouais, mais de si la on famille. Cale et on se fait rattraper par le futur et on se défonce et on finit comme des esclaves à la con, comme Nathan. Et moi, le futur c'est si on se fait rattraper moi, par le futur. Moi, je prends le troisième choix, je vais chevaucher la vache qui est là et je m'envole. Oui, moi c'est ce que je pensais faire parce qu'il y a Youssef, hein, faut pas oublier Youssef, donc je pensais avec Alex prendre Youssef, sauter par-dessus la palissade et s'en aller. Moi, donnez-moi une mitrailleuse et je vais monter sur le machin pour arroser ce qui vient. Alors, je suis vétérinaire. Moi, j'ai juste une question. Ça, là, cette porte là du camp, c'est pas une issue? Oui, si. Effectivement, oui, mais pour être très vite alors. Il y a pas trop de zombies là-bas. Oui, il est fermé à clé. On a jamais trouvé la clé. C'est fini. D'accord. Laissez tomber. Non, c'était pour savoir, hein, c'était pour ça. Ah, attends, pour ça, ça y est, ah bah les zombies apparaissent comme par miracle, dis donc. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le glombide qui commence à ramper comme okay, un ok, donc je veux moins partir à cheval d'un seul coup. J'ai bien fait de le mentionner là pour le coup, parce que sinon, là, c'est pour ça. Donc du coup, on a le choix entre escalader et le bus. Alors le bus, quelque part, j'aime bien parce que c'est sexy, parce qu'on a commencé avec le bus, mais oui, le bus, c'est sans closure, aucun doute... Non, mais c'est sans aucun doute la mort aussi, j'ai envie de dire. Par contre, si on escalade tous, il y a des mecs qui vont tomber, ça va être un peu gun, ça va être gore. Mais oui, il y aura plein de mecs qui vont se noyer. Ça non, va mais on peut pas cool. escalader une paroi qui est en train de céder avec de la flotte. Bah, mais oui. C'est classe. Mais si, c'est arcade, mais c'est Uncharted. D'accord. Attendez, je propose qu'on gagne du temps, chacun on se met en position de défense et on... Non, je propose, vous avez raison, on a commencé avec le bus, on aura foi dans le bus, on finit avec le bus. Est-ce qu'on vote? On aime bien les votes dans ce groupe, donc on peut faire... On n'a pas le temps de voter. Est-ce qu'on peut voter avec nos flingues? On n'a pas le temps de voter, j'utilise mon jet d'autorité, je vous force à rentrer dans le bus, qu'est-ce qui se passe? Alors bah, on n'a pas le temps de comment de le barricader, de faire un truc à l'agence touriste, que mettre du barbelé, bus, des trucs dessus. Mais oui, c'est le métal. Bus, le bus. C'est comme dans le l'armée bus, des morts. Très bien. Je propose qu'on essaye de tenir le plus longtemps possible le temps que John répare le bus. Et du coup, on se met tous en position de défense. Mais là, c'est bon, c'est il y a une question de réparer. C'est juste pas combien de temps ça va tenir. Mais sinon, c'est réparé. Absolument. Donc, John indique que le bus est prêt, est paré, éventré, et vous pouvez le prendre tous ensemble pour quitter la salle. La stand. Dans ce cas-là, je vais balancer l'ordre, et je vais dire que tous ceux qui n'ont pas d'armes à feu ou qui ne sont pas capables de s'en servir montent dans le bus, que tous ceux qui peuvent m'accompagnent et les couvrent pendant qu'ils montent dans le bus. On s'enfuit ou on crève tous ici, action! Et si on faisait les deux, c'est-à-dire on pète la paroi pour que l'eau jaillisse. Et après on escalade la paroi avec le bus! Non, ouais, on part sur une vague avec le bus vrai. Comme ça! On peut mettre c'est-à-dire le bus sur le côté, monter sur le bus et monter au-dessus de la paroi. Aussi. Ah, moi je pensais surfer c'est avec le bus sur la flotte comme ça et sur tout le monde. C'est peut-être la meilleure idée pour limiter les risques. Qu'est-ce que vous faites? La situation est maîtrisée parmi le groupe des survivants, c'est-à-dire que Lynn a géré la maîtrise des survivants avec sa réussite critique. Ceux qui ont commencé à se transformer ont été parfaitement surinés par Janet, Alex, Roger et Wakanda. Nous avons le bus qui est prêt et pareil, qui peut sortir par l'avant, ou comme Janet le suggère, servir d'appoint pour escalader et limiter les risques d'escalade. Et pendant ce temps-là, Marilyn qui propose de peut-être couvrir avec des armes à feu. Roger a redispatché les armes à feu, donc ils saisissent. Ma question, c'est plus, si jamais on prend le bus, on n'a que deux choix pour sortir, c'est ici et ici. Et les deux, il y a des zombies qui sont devant. Est-ce que le bus est suffisamment costaud pour renverser non. une centaine de zombies? Non, c'est clair que ça passera pas. Ça passera pas. Je suis désolé, mais la meilleure idée, c'est celle de Janet quand même. On prend le bus, on s'en sert de marchepied pour escalader et adieu va. Et puis on y va. Et on vous couvre pendant que vous faites ça, nous, avec les armes à feu, en escaladant dernier. Se met ou alors, sur le mirador. Ou alors,
On retarde l'avancée du futur et tout, c'est-à-dire on fait grimper des mecs avec le bus machin, et il y a une dernière équipe, c'est la mission suicide où on fonce avec le bus, et on fait the last stand au milieu des mecs. Oui, qui comme ça, par... mais pour mais oui, mais c'est classe. Mais attends, c'est mais pourquoi devrions-nous pourquoi devrions-nous retarder l'avancée du futur vu que entre nous et le futur, il y a un océan de zombies qui devront d'abord gérer avant les zombies, attendre. Les zombies, je disais le futur, mais ouais, enfin voilà. Donc quoi qu'il parce en soit, qui se met sur le Mirador. Je vais me mettre sur le Mirador. Ok, bah dans ce cas-là, faites démarrer le bus et puis on va faire ce que veut Jeannette. Yep. Ok. Jeannette. John, donc de on son se met côté. À un endroit où il n'y a pas de fissure, on regarde bien s'il y a des zombies en haut, toutes ces choses-là. Très bien. Du coup, nous avons John qui prend le bus, qui commence à faire son créneau, qui de son côté dirige le bus complètement éventré. Jeannette et Alex commencent à s'écarter du chemin. Ils roulent sur les morts-vivants qui ont été surinés et ils se dirigent vers. Ils se dirigent littéralement vers la façade rocheuse d'où provient toute cette flotte qui commence à s'amplifier. Nous avons un autre jet d'eau qui commence à investir à la ferme. Entre moi. Tu vois, tu me vois pinguer ? Oui, tout à fait. Je fais un test de pilotage pour John. Pour réussir à faire une manœuvre correcte. Non. Allez. Petit il se prend l'arbre, 96. Jusqu'au bout, hein, John, il a fait que de la merde au volant. Que de la merde, que le gros. De la merde. Putain, en fait, alors, c'est le twist, conduire. J'ai pas le permis. Mec, il a menti pour pas qu'on le jette du bus, quoi, depuis le début. John, le champion. Le seul arbre qui est au milieu, t'es... Un... Prends le virage. Il se prend le un peu l'arbre. Le bus qui se retourne, qui prend un vœu. Il tente d'arrêter son véhicule. Et non, en fait, son véhicule prend une accélération plutôt inattendue. Et il fait « Non, mais c'est pas ce que je voulais !» Et il rentre littéralement dans... C'est le... Et il rentre dans la façade. Il va faire un plus gros trou avec plus de flotte, c'est ça ? Mais même la petite fille, elle conduit mieux que lui, je suis sûr. Il rentre dedans et vous entendez « Je suis coincé ! Je suis coincé ! » Ouais, nique-toi bien. Moi, c'est je vais pas te chercher. Attends, Maya, est-ce que tu peux faire un jet de là, survie ? C'est Darwin, parce que la sélection n'a pas oui, là, il là je pense qu'il a mérité de mourir, lui. Hein. Oui. Est-ce que tu peux faire un jet de survie ? Est-ce que tu peux faire un jet de survie à 5 ou moins ? Voilà, il parce fait que... Ou alors il fait partie du futur, je sais pas. Mais... Ouais, y a que ça. C'est juste, on va se retourner, on voit juste le bus qui explose, tu sais, la boule de feu qui monte devant. C'est le moment Michael Bay, je sais pas. Et donc, il y a l'avant du bus qui est enchâssé sur lui-même. Il y a le chauffeur John qui hurle qu'il faut l'aider. Il y a également au même moment les morts qui tapent contre la palissade, qui tapent, qui essayent de rentrer. Et la voix qui résonne, la voix de cette femme qui résonne dans le haut-parleur et qui dit « Très bien, ça va être à notre tour. » Si vous voulez. On est occupé, on a suffisamment de problèmes chez nous. Non mais y'a pas de soucis, mais ce qui serait vraiment drôle, ce serait que les méchants investissent le camp, tout ça pour se retrouver face à la paroi de pierre qui cède à ce moment-là et qui meurt comme des clandus aussi. Y'a un mec qui accélère comme ça sur le mur. Ouais, tout qui t'a fait ça, il aurait pu aller dans le tas de zombies, quoi. T'as juste le bruit du klaxon. Et il est mort sur son truc, ouais. Messieurs, la situation... peut encore s'aggraver, je vous rassure. Vous arrivez donc vers la façade rocheuse qui commence à céder. Il y a John qui hurle d'être aidé. Je vais faire un test de survie. Alors, si je fais un échec, ça ne veut pas dire qu'il meurt. Ça veut dire qu'il est juste... qu'il ne peut pas se dégager lui-même. D'accord ? Il a fait un échec critique encore de pilotage. Bien, très bien. On va faire un test à... Alors, on est d'accord que s'il fait un échec critique durant son jet de survie, il implose. Ah, ok, il se passe un truc. Mais il y a plus 10% en bonus au jet de survie. Ah, exactement. Il y a un bonus a 25, de survie grâce à qui ? Putain, mais. Grâce au. Oh là là, mais putain, c'était escroc ! Le survivant. Et il enlève donc du coup sa casquette. Il est futur, et comme en ça. Fait, est-ce qu'il a réparé le bus au passage ? Jeannette, depuis le début. Donc,
Mais il est craqué ce gros. Il hurle. Mais personne ne veut m'aider. Il fait une réussite critique, donc il fait un 1. Et il arrache vous le voyez volant. Qu'à main nue, il. C'est juste, il réapparaît, mais à côté de lui. Il fait. Vous croyez quand même pas que j'ai survécu. Et c'est juste avec de la chance. C'est juste, en gros, le bus se crash, explose, et il réapparaît juste à côté de nous, T'es John. Tout. Oh bah, le bus, il roule pas bien. Putain, mais. What? Donc, vous arrivez en face de la façade rocheuse. Il a amené le bus donc dans la façade et pas contre elle, comme l'avait plutôt proposé intelligemment Jeannette. Vous allez me faire tous un test de force pour me dire si vous réussissez à escalader correctement. Agilité. Force ou agilité, selon votre point fort. Voilà. Yes. T'es gentil. Allez. Tous. C'est parti. Allons-y. Ça passe, 36. Ou 91, ça passe. Et agilité. C'est un échec critique. 8. Et 8 aussi. Bravo. Nous avons le groupe qui évolue avec Wakanda qui, de son côté, loupe. Nous avons également la petite fille qui loupe aussi. Alex qui réussit. Et les autres survivants, je vais faire un test global. Les autres survivants commencent à escalader également. Nous avons juste Jeannette qui reste en retrait avec Wakanda l'Indien, avec la petite fille Lily Rose, et qui se retourne à ce moment-là. Et il y a la palissade qui explose avec un bus sans pilote qui a littéralement éventré la seule protection de la ferme. Et la voix de cette femme qui résonne dans le haut-parleur qui dit: je vous avais dit, c'est à mon tour de jouer. Les voix des morts résonnent dans la ferme désormais.